Et bah bien bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit comme vous pourrez voir de The Lapin Crétin, partie collection. Donc en fait c'est une collection de trois jeux de Lapin Crétin. Donc voilà. Donc j'ai pas vraiment une solution, ça va plus être pour me détendre, m'amuser, faire autre chose que du Siphon Filter puisque je vous le rappelle j'enchaîne la série. Et là je viens de finir le premier. Donc voilà, donc vous pouvez voir, c'est Rayman contre les lapins crétins, contre les lapins encore plus crétins, et The Lapin Crétin Show. Enfin, Rayman Production The Lapin Crétin Show. Enfin bref. Donc c'est un jeu développé par Ubisoft. Enfin, c'est développé par Ubisoft, hein, je vous rappelle, Rayman, la série Rayman est développée par Ubisoft. Et du coup, ils ont créé, pour lancer les lapins crétins, ils ont utilisé Rayman dans une nouvelle aventure, donc qui est Rayman contre les lapins crétins. Du coup, sauf qu'en fait, cette aventure, en fait, c'est un party game. Donc, on peut jouer à plusieurs, c'est fun, c'est marrant. Donc, voilà. Donc, je ferai les vidéos de Lapin Crétin, comme la même manière que j'ai fait pour les Razz Moquette. Et c'est vrai que ça date. Je ferai ça, on va dire, une vidéo tous les samedis. Donc, du coup, je fais la vidéo jeudi ou vendredi, je la prépare, voilà. Et j'envoie le samedi, du coup. Donc, voilà. Dans la journée, voilà. Ça dépendra. Donc voilà. Et en même temps, ça me permettrait de faire autre chose que Siphon Filter, puisque j'aime finir le premier, je vais bientôt attaquer le 2, et je vais enchaîner Siphon Filter, donc je vous le dis pas, mais voilà. Faut que je fasse autre chose à côté. Quitte à que ce soit un petit peu fun, un petit peu débile, autant que ce soit les lapins crétins. Donc voilà. Donc Rayman contre les lapins crétins, c'est parti. Je ne ferai pas les autres. Ça commence bien. J'adore. Donc je m'embête pas vraiment à faire une intro sur ce jeu-là. Alors je séparerai les vidéos par jour de détention, donc voilà. Donc on va faire le mode histoire, bien sûr. Ça c'est la partie que j'avais faite et que j'ai terminée. Donc on va l'effacer. Oui. Et on va créer un nouveau profil. Donc on va l'appeler... Bah, comme d'habitude, hein, on va pas s'embêter. Ah, j'ai le droit qu'à 3 lettres. Oh bah je vais garder ceux de mon frère alors. Le K. Le T. Non. Le T. Voilà. Et le A. KT1. Voilà. C'est parti. Oui. Allez. Et voilà. Donc ils sont plutôt cool. Alors, bienvenue pour cette
Première journée de détention, on va dire. Là. Donc du coup, en fait, chaque porte mène à un défi et le fait d'accomplir tous les défis permet d'ouvrir la porte centrale. Simplement. Donc on va peut-être commencer. Et on peut voir qu'ils veulent vraiment notre mise à mort. Hein. Mais bon, c'est des lapins crétins, donc la mise à mort ne se passe pas comme dans les vraies arènes. Alors, les lapins ne font pas de cadeaux. Alors, montre et des, monte et descend à tes grenouilles. Voilà. De l'un après l'autre, le plus vite possible pour courir. Ok. Ok. Bon, ça va être apparemment une course. Excusez-moi du bruit de fond, c'est parce que je déplace un peu ma chaise. C'est parti. C'est sympa. Allez, allez, man, allez! Et ça en fait un drill ici. Ça commence bien. Bon, j'avoue, j'ai eu un peu mal. Un tout petit peu mal. Mais bon, c'est le début, c'est simple. Allez, numéro 2. Va être bien. Alors, les lapins ne savent pas se servir d'une. Vache, tu m'étonnes. Leur lance Marguerite en moins de 60 secondes. Ah non, à moins à 69. Tourne rapidement tes commandes Wii au-dessus de la tête et appuie sur A ou B pour lancer. C'est pas fini. Ok, juste pour ça. Ok. Bon, on va martyriser une vache. Ils nous font des liens, ça. Allez! Oui! J'ai réussi. Le lancer de vache. Ça devrait être un sport olympique, ça. Crétin, la pique. Crétin, la pique. Ça devrait être ça. J'adore. En fait, qu'ils invitent Misty Bad à faire ça, des amis ou même mon frère. Ça va être fun. Enfin, ça serait encore en même temps plus drôle si on faisait ça plusieurs. Allez. Que vont-ils nous proposer? Dans ce camp des dieux, regarde, commande la chanson. Score 750. Oula, ouais. Quant à la fin, passe sur le podium de gauche. Il donne un coup de télécommande verticale. Ouais, je vois ce que c'est. Bon, allez, c'est parti.
Ah. Qui va être un vrai record. Voilà. C'était fun. Donc c'est l'une des épreuves les plus qui va être le plus faite lors du jeu. Ouais, lui Rayman revient bien cœur et tout. Mais on veut toujours sa mort. Donc là on a fait trois épreuves, donc si on veut on peut faire l'épreuve finale, sauf que moi je vais faire la quatrième. Hein. Soyons courageux. Un lapin mange comme 4 engraisseux pour avoir 300 points. Ok. Ah, c'est sûr, je suis pas très doué en art plastique. Un parpaing. Alors, faut essayer de bien fermer à chaque fois le dessin. Enfin, certains dessins. Voilà. J'adore. Enfin, c'est le premier jour, donc les épreuves sont pas compliquées, c'est plutôt assez simple. Pour l'instant. Et bon, au fur et à mesure, je vais galérer. Ça va même me demander du travail pour faire certaines épreuves. Mais ils veulent toujours ma mort. Donc on va faire l'épreuve principale. Alors, 4 épreuves de qualification au dessus. Tu gagnes une chanson originale. Voilà, dans le jukebox de ta télé. Ça, on verra ça après. Quand on aura fini. Les lapins ont un faible pour les ventouses. Donc, sauf le bébé Globox. Car je vous le rappelle dans la cinématique, les bébés Globox ont été enlevés. À savoir que les bébés Globox sont les amis, sont les enfants de Globox, qui est le meilleur ami de Rayman dans la série du jeu vidéo, bien sûr. Hein. Donc, voilà. Alors, vous êtes comment? Oui, on donne un coup de nature pour recharger. Ok. Et appuie sur Z, t'approches du jardin lapin et tout profondeur, appuie sur Z pour. Ok. À chaque fois qu'il faut recharger. Alors, on peut les empêcher, on peut parer leurs ventouses en utilisant les nôtres. Un nouveau cœur.
J'aime bien l'ambiance western. Là pourquoi j'ai l'impression de ça fait un peu référence à Red Street des fois. Peut-être à un autre jeu de Ubisoft dans le mode dans le monde western. Voilà. Non. Oh. Super crétin. Ah, on a des lapins chez Yen, attention. C'est pas chez Rayman Cliffwood. Ah oui, j'ai débloqué le rafale. Autant profiter. Allez. J'adore. Faut trop les gars. Et le voilà. Et c'est le tout premier sauvé. C'est génial. Ah oui, j'ai oublié que je pouvais utiliser le grappin. Donc, alors j'ai un problème avec ce jeu, c'est que même si c'est un party game, on voit pas vraiment les pouvoirs qu'on a l'habitude de voir dans les jeux de Rayman. Parce que Rayman habituellement a des pouvoirs. Et en fait, on les verra pas, on les utilise pas vraiment. C'est ça le problème. Une ventouse. Oui, notre première ventouse. Il faut s'en servir comme il se doit d'être servi. Sympa. Et vous pouvez voir les petits lapins crétins se balader juste au-dessus d'une borne. Donc ici nous avons une armoire simplement. Donc on va au fur et à mesure débloquer des choses pour pouvoir habiller Rayman. Le personnaliser, tout ça, donc voilà. En mémé, en disco ou en yo. Ou en simple Rayman. Voilà. C'est un peu au choix. Bon allez, on va le mettre comme ça. C'est drôle. Je vais essayer de changer sa tenue chaque fois. Donc le jukebox. Enfin, pas vraiment un jukebox. C'est plus un, je sais plus comment ça s'appelle, un tourne-disque. Donc on a Miserius. Donc qui à la base la musique de Taxi, hein, qui depuis a été reprise pour par les Black Eyed Peas. À moins que c'est l'inverse, je sais plus. Voilà, là on peut voir le premier jour, les trophées,
dû au fait des 4 épreuves que j'ai faites. Donc voilà, je sais plus combien de gens, je crois qu'il y en a 16, donc ça fait à peu près 16 vidéos. Du coup. Donc voilà, si je veux, je peux le refaire. Mais bon, je vais pas le faire. Saleté de piaf, je vais déplumer, tu vas voir. Enfin bref, du coup bah je vais peut-être vous laisser ici puisque c'est la fin de cette vidéo. Bon, elle est pas très longue mais néanmoins ça lance un peu les du PQ, je viens de le remarquer. À savoir qu'au fur et à mesure hein, on aura la chambre sera bien meilleure et tout le reste. Donc voilà, donc, vous aurez clairement compris quel est le but quand même du jeu. Donc voilà, même si je n'embête pas à faire vraiment de grosses présentations, voilà, c'est pas vraiment une solution.